Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui encore une petite vidéo improvisée, totalement imparfaite. On verra bien ce qui arrive. Non, c'est pas vrai. Elle n'est pas tout à fait intuitive cette fois-ci. J'avais le goût de peindre une fleur avec les encres. Et là, je vais puiser mon inspiration de ce livre-là, qui est une de mes bibles, que j'aime beaucoup, qui est en fait un livre à colorier qui reprend les modèles d'illustration botanique du 19e siècle faites par Pierre-Joseph Redouté, qui est très réputé. Fait qu'il y a toujours de très belles images. Et comme vous le voyez, ici, il y a l'illustration originale. Et là, ce serait la page à colorier pour celles qui voudraient le faire. Moi, je les colorie jamais, je m'en sers telle quelle pour avoir justement juste les contours, ce qui est beaucoup plus facile pour avoir l'essence même, la forme, la composition, la dynamique de ce que je vais représenter. Donc là, j'ai fait ma petite esquisse et on y va tout de suite.
Thank you.
Et voilà, alors j'espère vous avoir inspiré à créer vous aussi sur le sujet qui vous inspire avec ce que vous avez à la maison. Si vous voulez en connaître davantage sur les encres, je vous invite à suivre mon cours Le Jardin des encres à l'eau sur mon site edemota.com. À très bientôt!